Le mouvement européen souhaite que l'on utilise les corridors ferroviaires et fluviaux pour réaliser un véritable aménagement du territoire européen. L'Europe a défini 9 corridors multimodaux, c'est-à-dire à la fois routiers, fluviaux et ferroviaires, pour rencontrer, atteindre ses objectifs environnementaux, à savoir, à l'horizon 2050, plus de 50% du trafic marchandises effectué par le rail ou le fluvial et la majeure partie du transport des passagers assuré par le train en 2050. Pour cela, il faut réunir, compléter ces corridors ferroviaires notamment, puisqu'on voit par exemple que le corridor méditerranéen qui part de Budapest, qui arrive à Milan et après Turin-Lyon, fait un angle de 90 degrés vers Barcelone, alors qu'il a vocation à continuer vers la façade atlantique pour justement rejoindre l'autre corridor, qui est le corridor atlantique, qui part de Mannheim, qui va à Paris, Bordeaux, péninsule ibérique. Donc l'idée, si ce projet est bien vu de la Commission européenne, c'est de demander son étude de faisabilité.